Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, sur le sous-marin allemand qui fait zizir. Il a une bonne petite forme, c'est vrai qu'il ressemble un peu plus au sous-marin qu'on voit en après-guerre. Il est très beau. Ouais, sur ce on se dirige tout de suite en bataille, on n'a pas le time. On n'a pas le time, on est là pour couler du navire. Donc on y va. Faut qu'il se calme. Des tourelles. Mais à la limite qu'il y ait des tourelles quadruples, c'est pas gênant. Mais c'est que là elles sont placées de façon comme si c'était des DCA en fait. J'avoue que ça apporte un style qui est pas dégueulasse hein. C'est les mêmes tourelles double qu'il y a sur les autres navires. Ouais, c'est ça, c'est typiquement ça, sauf qu'elles sont en quadruple. Et c'est pas mal. Et les mettre en artillerie principale, je trouve que c'est pas mal. Par contre, c'est un spécialiste de l'antiaérien. Hein. Je pense que dans la vraie vie, des toiles comme ça, c'est aussi bien pour les navires que l'antiaérien. C'est canon de 40, je crois que c'est des 40 ou plus. Ils sont spécialistes en antiaérien aussi. Là il est vraiment, c'est un coup tout sauf amélioré quoi. Littéralement. Ah ouais. Il est classe, il est classe. Bon, c'est un premium, ça a dû être un projet, il a jamais été créé. Je suis pute donc voilà quoi. Mais il est classe, c'est dommage. Enfin c'est dommage, heureusement que dans un sens il n'a pas été construit. Je pense qu'il aurait pu être violent. Bah il a peut-être existé, vous me direz en commentaire hein. Mais je pense que ça a été un projet, il a jamais été vu. Il n'a jamais vu le jour comme malheureusement beaucoup de navires allemands. Comme beaucoup de navires russes. Mais on est pas mal, on est pas mal. Le gros Sukurfusk. Démoi Napoli. Allez, moi j'avoue que j'aimerais bien me fight un Colombo en fait. Je suis repérable à combien déjà? 5-7. Je fais ça mais ça sert pas à grand chose parce qu'en fait dans le coup il va se faire détruire. Ah merde, merci. Voilà, je suis plus repérable. Je vais légèrement continuer de me décaler. Hop, on s'enfoule. On s'enfoule, oui on s'enfoule, on s'enfoule. Sous l'eau. Voilà. On est repérable à 2 km 1. L'américain c'était 2 km 1. Putain c'est violent. Remonte. De toute façon l'arc tout. Moi de toute façon je suis un fifou. Notre équipe a pris l'avantage. Non. Putain. Eh ouais, il y a des fumigènes là qui m'empêchent de le voir là. Le Colombo là, voilà, coup. Voilà, redirigez-vous en plus. Oh, il se met de profil. Oh, je t'aime, Colombo. Voilà, d'habitude, je suis pas fan de tes. De tes petites séries. C'est pas le genre que je regarde, mais là, je t'aime. Littéralement, je t'aime. Kiss, kiss. Voilà. Les 6 sont touchés. Et il va se faire finir juste derrière. C'est. Pratiquement 60 000 points de dégâts. C'est une victoire assez éclair. Ça a été magique. Là, il n'y a absolument rien à dire. Rien du tout. Parce que je pense que le temps que j'arrive au conquéreur ou que je trouve le sous-sou. La partie sera finie. Qui a osé mourir? Shimakaka. Comment t'es mort? Voilà, voilà. Cuirassé est mort. Et puis je pense que le temps qu'on arrive à trouver le sous-marin, bah ça sera fini. Hein. Écoutez, je vais mettre la recherche hydro au cas où qu'il est dans le coin. Dans le coin des 6,5 km. Putain, mais attends. Il est prononcé sous moi là. Dernière inscription sous moi. Ah, vu que j'ai nagé au-dessus de lui. Ah, le fumier.
C'est-à-dire qu'il s'est dirigé pareil que je suis en train de le faire. Par contre, maintenant, le problème, c'est qu'il est sous l'eau. Et s'il est sous l'eau, c'est sous ma... Je suis repéré. Derrière moi. Ok. On est parti. Y. Allez. Allez, Pedro. Allez. Pedro, moi, je trouve que ça va bien, Pedro. Merde. Je vais prendre la falaise. Je le sens. Ah non, mais je le sens. Collision. Aïe. Ça fait mal. Non, j'aurais pas le temps de la déglinguer. Je suis touriste. Pardon. Le mec, il se met à chialer. Mais c'est... Oh. Bah, je gagne des Autobots. Un commandant. Ah, habité conteneur aussi. Ah, bien camouflage. Pardon. Désolé, je... Pardon, je suis un peu trop content de ce qui vient de se passer. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. On va regarder les écus. Ouais, mais... J'ai rien contre les Transformers, hein. J'ai bien aimé les films, mais... On va mettre, voilà... Merci. Mission de combat, Transformers. Récupérer la récompense. Ouais, mais je peux. Ok. On va récupérer Bi. Bon, j'ai pas le gearing, mais on va récupérer Bi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Ah, j'ai 4 conteneurs. Eh ben voilà, juste avant de se quitter, on va ouvrir les 4 conteneurs. Bon, de toute façon, c'est des trucs cybertroniens. 400 de charbon, c'est classe, c'est sympathique, c'est sympathique. J'ai des Rumble Optimus Prime. Oh yes. C'en est où de la collection? Oh, prix d'achat 4. Ok, j'en ai que 2 sur 4. Là j'en ai qu'un. Là j'en ai un aussi. Ok, et en fait ça permettrait d'avoir quoi? Un déguisement de Decepticon. Decepticon. Pardon. Je mangeais sur pas grand chose, hein, je sais. Je sais. Bon, ben voilà, dans le coup. Eh ben, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Allez voir le lien qui sera en description pour voir tous les réseaux sociaux. Et vous abonner si vous ne l'avez pas fait, ça fera vraiment très plaisir à beaucoup à moi. C'est pas français, mais j'adore. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes, hein. Il y aura d'autres sous-marins, je sais pas quand, mais il y en aura d'autres après. Je pense quand ils sortiront officiellement comme je l'ai déjà dit, mais voilà. Allez, sur ce je vous laisse et puis à très bientôt. Ciao ciao.